Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce superbe petit pull au crochet, donc réalisé avec des manches courtes. Je trouve le résultat vraiment adorable et vous allez voir que le tutoriel est très facile à réaliser. On va le travailler en top-down et avec un point granit. Avant de commencer le travail, comme d'habitude, je vous fais une petite présentation du matériel qu'on va utiliser pour cet ouvrage. Et n'oubliez pas, le matériel est disponible sur mon site crelin.com. Donc, comme d'habitude, je vous mets les liens en description. Alors, pour travailler ce petit pull en taille S, j'ai travaillé environ 300 g de laine de cette gamme. Donc, mon acrylique fétiche que vous avez déjà vu passer plein de fois, que j'adore et que vous aimez beaucoup aussi. Donc là, j'ai utilisé la Lana Carette, sa gamme Batik, donc la gamme nuancée. Je vous fais une petite présentation de la pelote. Donc ce sont des pelotes de 100 grammes. Pour les 100 grammes, on a un métrage de 380 mètres. Donc c'est de la laine 100% acrylique certifiée Ecotex. Il est conseillé de travailler le fil avec des aiguilles 3, 3,5 ou un crochet numéro 4. Alors ensuite, pour réaliser le tutoriel, vous allez avoir besoin d'un crochet numéro 4, 4 marqueurs de points et une aiguille Allen pour la partie couture. C'est parti, donc tout d'abord, on va commencer par faire le col de l'ouvrage. Donc on va faire un nœud de départ et on va monter une chaînette d'un total de 6 mailles en l'air. Donc pour toutes les tailles, on va tous faire le même col. Donc une fois que vous avez monté votre chaînette de 6 mailles en l'air, vous allez rajouter 2 mailles supplémentaires. Vous allez faire un jeté et vous allez piquer votre crochet à la quatrième maille chaînette qui se présente. Donc on saute 1, 2, 3, on pique le crochet dans la quatrième et on travaille une bride. Les trois mailles en l'air qui se trouvent ici sur le côté correspondent à une bride. Un jeté. Dans toutes les mailles chaînettes, on va travailler une bride. À la fin du rang, on aura un total de 6 brides. On passe au rang suivant. On va faire une maille en l'air. Et pour les rangs suivants, on va travailler en côte arrière. Donc au lieu d'insérer notre crochet ici, donc dans la bride normalement, comme ceci, on va attraper le brin arrière qui se trouve ici. Donc on va travailler notre toute première bride en haut de la toute première bride qui se présente en attrapant le brin arrière. Étant donné qu'on est au début du rang, on va faire comme si on faisait une maille serrée, comme ceci, on pivote, un jeté, on ferme et on fait une maille en l'air. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez très bien faire monter 3 mailles en l'air. Un jeté, on va dans la bride suivante en attrapant le brin arrière et on travaille notre bride. Ici, on a les trois mailles en l'air du rang précédent. On n'oublie pas de les travailler. Donc, ça correspond bien à une bride. On passe au rang suivant, une maille en l'air, et on répète la même opération.
Voilà comment se présente le travail après avoir réalisé un total de 44 rangs. Donc pour toutes les tailles, vous allez tous faire 44 rangs. Ça convient parfaitement pour toutes les tailles. Donc cette longueur-là, ça va représenter le tour de tête d'une femme. Donc en général, on a tous à peu près le même tour de tête, sachant que le col est assez stretch. Donc le plus important, en fait, c'est que toute cette longueur-là vous permette d'insérer votre pull. Vous voyez, ici, on va refermer. Et ici, vous devez pouvoir passer votre tête. Je vous donne la longueur. Ça nous fait une longueur de 55 cm. Si vous voulez faire l'ouvrage pour une autre personne, un enfant ou vous voulez faire un pull homme, vous pouvez, vous devez juste ajuster cette étape. Donc vous faites plus ou moins de rangs en fonction de la taille que vous faites. À noter que au niveau du nombre de rangs, vous allez avoir besoin d'un multiple de 4. C'est très important. On passe à la suite. Donc maintenant, on va prendre notre crochet, le fil ici, et on va faire une petite couture. Alors, une fois que vous avez terminé le col, on va travailler tout autour de celui-ci et je vous montre un petit peu comment j'ai dispatché, comment j'ai fait le calcul pour travailler tout autour de mon col. Et ça va vous permettre d'ajuster l'ouvrage si vous voulez faire une taille plus petite et donc forcément un col plus petit, éventuellement si vous faites l'ouvrage pour un enfant. Donc ce que vous faites, c'est qu'une fois que vous avez le nombre de rangs pour votre col, qui doit être un multiple de 4, vous allez enlever 4 rangs qui vont correspondre aux 4 augmentations. Et donc ensuite, il va vous rester donc des rangs. Donc là, pour ma part, j'ai 44 rangs au total. Moins 4, il me reste 40 rangs. Ces 40 rangs, je les ai dispatchés comme ceci autour de mon top-down. J'ai pris donc 12 rangs pour la partie avant du pull, 8 pour une première manche, 12 pour la partie arrière du pull et 8 pour la deuxième manche. Si on calcule, si on fait 12 plus 12 plus 8 et plus 8, ça fait un total de 40. Plus les 4 augmentations, on a bien le total de 44 rangs. C'est parti, donc là on va travailler tout autour de notre col. Et les rangs, on va les compter comme ceci. En fait, on va travailler nos points au niveau des extrémités des brides. Vous voyez ici, donc ici par exemple, on a le début d'une bride et la fin de la bride. Vous voyez, au niveau des pliures, en fait, il y a avec les côtes, en fait, ça a fait des petites pliures. Donc en fait, on va se repérer à ce niveau-là, au niveau des pliures. Alors, donc là, on va commencer le premier point. Donc là, comme vous voyez, on est sur une pliure. Alors, donc là, on va faire une première bride. Donc là, c'est la toute première bride. Donc là, on pivote. On va faire une maille en l'air et on va faire une deuxième bride. On va prendre un marqueur de point pour marquer ce groupe. Donc ça, c'est une première augmentation. On va dans l'espace suivant, vous voyez, donc au niveau de la côte ici. Et on va faire 3 brides.
On va dans l'espace suivant. À nouveau, trois brides. Là, j'ai travaillé trois groupes de trois brides, donc on va les compter comme des points si vous voulez. Donc là, j'ai trois points, donc on va faire un total de 12 points et ensuite on va faire une deuxième augmentation. Donc là, j'ai travaillé un total de 12 groupes de brides. Une fois qu'on a travaillé ces 12 groupes, on va faire notre augmentation. Donc on va dans le point suivant, dans l'espace suivant. On va faire une bride, une maille en l'air et une bride. Donc ça forme comme un petit V. On prend notre marqueur de points pour marquer notre augmentation. Comme ça, on va pouvoir la repérer dans le rang suivant. On va dans l'espace suivant. On va recommencer avec nos groupes de 3 brides. Et là, on va faire 8 groupes. Ensuite, on va dans l'espace suivant, on va faire notre augmentation, donc une bride, une maille en l'air, une bride. On prend notre marqueur de points pour marquer notre augmentation. Et là, on va travailler 12 groupes de brides. À la fin du rang, on va fermer avec une maille coulée. Alors voilà comment se présente le col après avoir effectué le premier rang. Donc comme je vous ai dit, donc on commence le rang avec le point d'augmentation. Donc on fait une bride, une maille en l'air, une bride et on met le marqueur de points. Ensuite, on va travailler un total de 12 points. Donc, quand je dis les points, c'est les groupes de 3 brides. Hein. Donc, 12 points. Ensuite, on fait le point d'augmentation. On met le marqueur de points. Ensuite, on fait 8 points, une augmentation. 12 points, une augmentation. Et on termine avec 8 points. Donc pour le rang suivant et pour tout l'ouvrage, on va travailler en points granny. Donc en fait, on va faire des groupes de 3 brides à chaque fois dans tous les espaces qui se sont créés. Vous voyez, entre les groupes de brides, on va faire 3 brides à chaque fois. Et on va faire une augmentation dans tous les points d'augmentation. Donc à chaque fois, on va faire une bride, une maille en l'air et une bride. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc là, on va piquer notre crochet dans ce premier espace ici. Donc là, on va faire une première bride. Donc dans l'espace, on va rajouter deux brides pour avoir notre groupe de trois brides. Ici, on a le point d'augmentation. Donc on va faire une bride, une maille en l'air, une bride.
On va dans l'espace suivant, on va faire 3 brides. Donc ainsi de suite, comme je vous ai dit, dans tous les espaces, on va faire des groupes de 3 brides et donc dans les points d'augmentation, on va faire une bride, une maille en l'air et une bride. Alors voilà comment se présente le travail après avoir réalisé plusieurs rangs. Donc moi pour ma taille, j'ai travaillé un total de 10 rangs. Pour les 10 rangs, ça me fait environ 10 cm. Donc ensuite, notre pièce va se présenter comme ceci. Donc ici, vous voyez, on a le col. Ici, on a les deux parties pour les manches et ici la partie du bustier. Donc sur le schéma, les 10 rangs, on a travaillé à peu près cette partie là. Donc ça, on a à peu près donc toute cette partie là qui est travaillée. Donc moi pour ma taille, j'ai fait un total de 10 rangs. Donc les 10 rangs me conviennent parfaitement. Vous, en fonction de la taille que vous voulez réaliser, vous devez prendre en considération votre tour de poitrine et votre tour de bras. Une fois que vous avez ces mesures-là, vous pouvez les reporter sur votre pièce. Donc ici, vous allez avoir votre tour de bras, ici et ici pour les manches, et ici votre tour de poitrine. Donc maintenant, on va continuer le travail. Et donc là, on va continuer à travailler en rond, mais en fait, on va travailler plusieurs parties séparément. Donc en fait, on va travailler en rond cette partie-là qui va correspondre à une manche. Ensuite, on va travailler cette partie-là qui va correspondre à une deuxième manche. Et ensuite, on va travailler cette partie-là qui va correspondre à notre bustier. Donc là, moi, je vais reprendre mon travail ici et je vais commencer à travailler une manche. Donc là, on est au niveau de l'augmentation ici. Okay, donc là, on va travailler tout autour. Et donc cette fois-ci, on ne va pas faire d'augmentation. Donc on n'a plus besoin de faire nos augmentations. On va travailler le point grani normalement. À la fin du rang, on va faire une maille coulée. Une maille en l'air et on recommence.
Donc ainsi de suite, là vous allez continuer à travailler votre manche. Une fois qu'elle sera terminée, vous allez reprendre votre fil, votre crochet et vous allez vous positionner donc sur un endroit de votre pièce, donc en fonction du côté que vous voulez travailler, donc soit la deuxième manche ou bien la partie du corps du pull. Donc admettons, je veux travailler tout autour ici de mon pull. Tout simplement, vous allez prendre votre crochet. Votre fil et vous allez faire un petit nœud. Et ensuite, vous allez travailler votre point normalement, donc tout autour ici et ensuite séparément l'autre côté de la manche. C'est parti pour la prochaine étape. Donc je vous avais laissé à ce niveau là donc comme vous pouvez le voir, j'ai avancé un petit peu dans le travail. Donc tout simplement donc à partir de ce niveau là j'ai travaillé le bustier du pull, donc le corps du pull, et j'ai travaillé environ une trentaine de rangs. Pour ces 30 rangs, en plus avec la finition que je vais vous montrer tout de suite, ça me fait une hauteur pour ma taille d'environ 40 cm. Alors, donc la toute dernière étape, c'est qu'on va travailler la bordure. Donc la bordure que j'ai fait ici et la bordure ici au niveau des manches. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai fait un modèle à manches courtes. Vous, si vous voulez, vous pouvez faire un modèle classique, un petit pull avec des manches longues. Donc tout simplement, avant de faire la partie définition, bien évidemment, vous devez faire le bustier et les manches à ce niveau-là. Vous allez travailler tout autour de la manche. Donc là, on insère notre fil, on fait un petit nœud. On insère notre crochet et donc là on va monter 7 mailles en l'air. Ensuite, une fois que vous avez monté vos 7 mailles en l'air, vous allez rajouter 2 mailles en l'air. Les 3 dernières mailles en l'air correspondent à une première bride. Donc on va piquer notre crochet à la quatrième maille chaînette qui se présente ici et on va faire une bride. Là on va faire des brides dans toutes les mailles chaînettes. Ensuite, on va piquer notre crochet dans les espaces qu'il y a ici, vous voyez, entre les groupes de 3 brides. On va faire une première maille coulée. On va dans l'espace suivant, on fait une deuxième maille coulée. On tourne le travail. Et là, on va travailler en bride, on va continuer à travailler en bride en côte arrière. À la fin du rang, on va faire une maille en l'air, on tourne le travail à nouveau, on
continue à travailler en côte arrière. Et on répète l'opération. Donc là, on va dans le tout premier espace libre qui se présente. On va faire une maille coulée. On va dans l'espace suivant. On fait une deuxième maille coulée. À nouveau, on tourne le travail. Et on continue avec nos rangs de brides en côte arrière. Une fois que vous avez terminé de travailler tout autour de la manche, vous allez faire un petit point de couture sur le côté ici pour refermer donc la bordure. Donc vous prenez votre fil, une aiguille à laine. Et voilà, le tutoriel est terminé. Je suis trop contente du résultat. Je trouve le résultat vraiment adorable. J'aime beaucoup l'idée d'avoir fait un petit pull à manches courtes. Je trouve ça vraiment mignon. En tout cas, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et vous aura inspiré pour vos prochaines créations. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à me solliciter en commentaire ou sur les réseaux sociaux si vous avez des questions ou besoin d'aide. Et moi, en attendant, je vous dis à bientôt dans un prochain tutoriel.